filles. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une petite bobine altérée. Vous voyez, j'ai jamais fait, hein. Je vais faire avec vous pour la première fois. Donc j'ai pris une petite bobine, j'en ai une toute petite, mais ça je sais pas si je vais la faire aujourd'hui, j'aurai pas le temps parce que là après je pars travailler. Et oui, on est le 21 mai, jour férié, et je pars travailler. Donc alors, je vous montre un petit peu ce que je vais avoir besoin. Donc là, je vais prendre de la dentelle. Je vais la faire dans les tons rose, clair, rose, fuchsia. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais venir coller ma dentelle tout autour de la bobine. Alors, je regarde si ma colle est assez chaude. Pour l'instant, c'est pas chaud. Alors, on va attendre un tout petit peu. Je vais avoir besoin d'un petit morceau de dentelle. Je vais mettre des petites fleurs comme ça de chez Action. Je vais mettre des petites fleurs que j'ai fait moi avec des filtres à café. Je vais avoir besoin de perles, de petits boutons. Là, j'ai un tout petit cintre. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire avec. Alors, j'aimerais bien coller ma dentelle déjà. Voilà. C'est parti. Donc, j'en mets tout autour de ma bobine. Et je viens coller ma dentelle. Voilà. Vous venez couler tout autour. Voilà. Là, je vais venir couper. Voilà. Là, je vais venir remettre. Ah, oh, tout qui se colle. Un petit peu de colle. Alors j'en ai mis volontairement moins en haut parce que je vais décorer en haut en fait. Donc voilà, pour l'instant ça nous donne ceci. Alors ensuite, je vais venir coller mes petites perles. Je vais venir coller mes petites perles au bord. Bien droite. Voilà. Voilà, je viens couper le surplus. Voilà. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, je vais venir en mettre aussi, je pense, en bas. Ici, tout autour. Ça a du mal à tenir. Alors, je vais peut-être couper celle-là qui est en plus. Hop. Voilà. Voilà.
là, pour l'instant, ça nous donne ceci. Le bas, je m'en occuperai après. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller... ne tiennent pas mes perles. Je vais venir coller cette petite fleur ici, que j'ai faite en... avec des filtres en papier. Voilà. Au-dessus, je vais venir y mettre une petite fleur comme ça de chez Action. Donc là, ça vous donne ceci. Alors, je vais la mettre au-dessus. Voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite, j'ai des petits boutons là. J'ai un petit bonbon. Mais alors, le petit bonbon, est-ce que j'arriverai à casser? Ah oui. J'essayais de casser là. Hop, on va sortir tout seul. Vous voyez, j'ai un petit bonbon. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller mon petit bouton d'abord là. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller le petit bouton en dessous. Voilà, ça nous donne ceci, regardez. Voilà. Alors, ensuite, sur le dessus, je vais venir y mettre un petit morceau de dentelle. Alors, je vais le recouper, mon petit morceau de dentelle. Je vais venir le coller. Je vais venir le coller là. Je vais venir le coller là. Alors, j'ai presque plus de colle, forcément. Ensuite, je vais venir y mettre des plumes. Alors, ce que je vais faire, je vais agrandir mon petit trou au-dessus. Alors, vous ne voyez pas. Je vais faire comme ça. Alors, je vais venir prendre mes trois plumes en même temps. Et je viens les enfiler dans le trou. J'espère que vous voyez bien. Hop. Comme ça. Je vais rajouter de la colle au milieu. Voilà. Voilà. Regardez, ça fait comme ceci. Ensuite, ici. J'ai bien envie d'y rajouter. Alors, j'ai des petits pompons aussi que j'aurais bien rajouté. Alors, attendez, je vais regarder dans mes fleurs ce que j'ai. Alors, bon, c'est pas grave, c'est le couvercle qui est tombé. Alors, de ce côté-ci, je vais y rajouter une petite...
petite fleur de chez Action, vous savez, avec la tulle, les fleurs en mousse. Comme ceci. De ce côté-ci, j'ai une petite fleur violette comme ça. Petite fleur violette. Et j'ai des petites fleurs roses. Je vais mettre une petite fleur violette ici. Je vais mettre ma petite fleur rose. Ici, je vais mettre deux petits pompons. Je vous montre après. Alors, donc, j'ai rajouté une petite fleur comme ceci, une petite fleur mauve. Là, donc, j'ai mes petites fleurs comme ceci. J'ai mes petits boutons. Là, j'ai mis deux petits. Je vais peut-être mettre deux petits pistils à descendre. Voilà. Là, ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre deux petits pistils à descendre. Alors, mes pistils, ils sont là. Mes fleurs sont là. Alors, mes petits pistils sont là. Je vais mettre deux petits pistils comme ça et après je mettrai une petite fleur pour cacher. Voilà. Et je vais y rajouter, donc j'ai mis mes petits pistils et je vais rajouter une petite fleur. Je vais rajouter une petite fleur blanche comme ceci. Voilà. Je vais la couper encore à ras. Voilà. Et je vais venir la mettre ici. Voilà. Regardez ma petite bobine. Voilà, toute mimi. Alors, je suis venue peindre une capsule altérie. Comme ceci, en rose. Je vais venir coller ma bobine dessus. Ensuite, j'ai découpé dans ma perforeuse un petit rond rose et je vais venir poser ma bobine dessus. Donc, j'y mets de la colle. Et voilà. Je vais venir mettre quelques petites paillettes dessus. Voilà, on va mettre un petit peu là. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'étale après avec mon doigt.
mettre un petit peu ici. Et voilà. Voilà, voilà les filles, ma petite bobine altérée est terminée. Alors, je vous la montre. Je vous la montre terminée. Alors, il y a encore des fils qu'il faut que j'enlève. Donc, voilà, comme ceci. Je vais la tourner. Voilà. Petite bobine altérée, c'est ma première petite bobine, vous voyez. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous la trouvez jolie. J'en ferai d'autres, hein, parce que j'ai plein d'autres petites bobines. J'adore faire ça, je trouve ça rigolo. J'en ferai une sur le vintage. La prochaine que je ferai, c'est sur le vintage. Peut-être que je la ferai demain. Comme je ne travaille pas demain, je vous en ferai une demain. Voilà les filles. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.